nous sommes mardi, je crois. Je suis avec à nouveau avec mon ami Dom. On est retourné dans le bois d'hier, mais beaucoup plus bas. Alors, on a commencé par attaquer le dessus, là-haut. On a attaqué par les moustiques aussi. Donc, on a fait le haut, là-haut, il y a un chemin qu'on n'a rien trouvé. On a pris le temps de faire un petit peu de balayage dans la descente. Et ici, on tombe sur ce chemin, donc on voit pas, mais il y a une rivière juste en dessous, là. Et moi, ici, là, premier son, au milieu des moustiques. Ici, moi, je suis content. Bon, pas super, mais là, c'était assez profond, mais un son franc. Ça ressemble beaucoup à une romaine. Alors, malheureusement, elle sera savo. Mais on devine encore le profil, quand même. Hein. Eh, tu l'as vu? On voit mieux, maintenant. Donc, on voit le profil, là. Je sais pas si vous le verrez. Moi, je le vois un petit peu. Et puis, par contre, l'autre côté, il n'y aura pas grand-chose. Hein. Mais je pense à une vieille romaine, de toute façon, vu l'épaisseur. Hein. Voilà, bah écoutez, une belle monnaie. Même si elle n'est pas lisible, ça fait toujours plaisir. On va ratisser un petit peu avec mon ami Dom. Ce qui est bien, c'est que, bon, c'est un petit peu raviné ici. Mais c'est du sable, donc c'est super sympa. Et on va, si ça continue comme ça, je pense qu'on va suivre même le chemin. On va chercher là autour. Eh bien écoutez, je vous reprends s'il y a quelque chose. Le dôme a un bon son, je pense encore. Ouais, c'est de la balle à blanc. Ah, c'est de la balle à blanc. Ben écoutez, s'il y a une trouvaille, on rallume tout ça. Bon, ça fait un petit moment qu'on crapahute, on a rattaqué la pente. Bon, on trouve pas grand chose, hein, depuis la petite romaine. Mais bon, c'est agréable, il fait un petit peu chaud quand même, on est bouffé par les moustiques. Mais bon, ça fait du bien de s'y remettre. Ouais. Bon. J'ai fini par trouver quelque chose, alors vous voyez, trou 40 cm. Hein. Alors, le son était franc et puis il était changeant après. Ici. Bon, elles sont pas toutes neuves. Hein. Avec un petit porte-clés. Voilà. Je sais pas si le porte-clés sera sympa ou pas. On va regarder, on va laisser comme ça, on va nettoyer. Voilà. Les clés d'un casier ou je sais pas. Même les clés sont patinées quand même, voilà. On voit mieux. Là. Donc voilà, la trouvaille, je continue à être bouffé malgré le... Putain, il s'est rentré dans le t-shirt. Voilà, donc bon, bah, c'est pas de la monnaie, mais bon, il y en aura peut-être un peu plus haut. Donc ça, c'est pas de quand ça date, c'est pas très vieux, je pense, mais... On verra là, avec le numéro des clés, peut-être que... C'est des casiers de bidasse ou... De toute façon, c'est des clés de canne là, mais. Voilà. Ah, peut-être le. C'est un Scooby-Doo, ça. Je sais pas. Ouais, ça ressemble. Enfin, on verra, ça peut être ça. C'est rigolo. Voilà. La trouvaille de la journée. Allez, je désespère pas, on va essayer de trouver. Hein. Je suis sûr qu'il y a des. On avait quand même trouvé des restes du 18e par là. Hein. Donc, il doit bien y avoir quelques loulous qui traînent. J'aimerais bien en trouver une, ça fait longtemps. Hier, la monnaie que j'ai trouvée en côte dessus, là, que j'ai pris pour une Indower, en fait, c'était une... C'est la même époque, hein, 1941, mais c'était une pièce tunisienne, enfin une pièce française, mais du protectorat français en Tunisie. Donc, certainement un militaire qui était de passage juste avant la guerre, ou qui a été mobilisé. Je vous la montrerai, elle est sympa, donc... Il n'y en a pas beaucoup, hein. En 41, il y a dû en avoir 5 millions qui ont été tirés, et 10 millions en 42, puis après, elles n'existent plus. Donc, elle n'est pas vilaine. Je vous montrerai ça. Bon, c'est calme. Alors, je vois, il y a quand même un chemin, donc c'est toujours sur des passages, quand même. On verra bien ce que ça donne plus haut. Allez, à tout de suite. Les amis, fin de la sortie. On va attendre notre ami Dom, qui est par là. Il est caché derrière les fougères, je l'entends là. Bon, on a recadrié le point de départ. Hein. On savait qu'on avait trouvé du récent, donc on va faire un petit point avec Dom tout de suite. Je vais simplement profiter un petit peu. Bon, là, c'est plus pareil, hein, il fait chaud. Ouais, ouais. Profiter du coin. Voilà. C'est garé à l'ombre. Bon, il y a beaucoup de moustiques. Problème des bois par ces temps-là, mais. Je pense que donc le bois qu'on a fait hier, c'est s'il est là-bas en fait, hein, c'est le même. Et puis donc on a longé aujourd'hui ce chemin. Donc la partie
Il y a une partie du bois qui est tout en hauteur ici, là, on est sur un plateau. Et après ça plonge vers la rivière, donc on a ce que vous voyez tout à l'heure, c'est la descente à la rivière. Bon, il y a 200 mètres, pas plus. Mais bon, on a essayé de regarder un petit peu dans le dévers si personne avait perdu quoi que ce soit. Mais bon, il y a très peu de traces. Autant on a trouvé des traces 18e là-bas, autant là c'est plus récent. Donc c'est un campement de bidas des années 70-80, hein, voire un peu plus tard. Mais bon, le champ ça a certainement à faire là. Quand il fera un peu moins chaud et avec une pelle bien aiguisée, parce que ça risque de commencer à être dur. Ok, bon alors Dom va arriver. Pour moi, j'ai retrouvé encore des monnaies. Je veux pas les mettre sous la voiture à Dom, j'aime pas. Voilà, donc on a fait une boursée de monnaie. Donc 10 centimes, 50 centimes, il en manque une, et puis une 10 francs. Une 10 francs. Le Dom arrive. Bon, ça fait une sortie sympa, il y a de la monnaie. On verra bien. Et voilà. On vous a fait le point avec notre ami Dom. Donc Dom, il a fait débourser 20 centimes et 10 centimes déjà là. 2 fois 10, 2 fois 20. 2 fois, 3 fois 10, non? Non, il y en a une qui était toute seule. Ouais. Bon, enfin bref. Débourser, une deux, et puis après du 10, ça c'est une 5. Ouais. Il a toute la gamme, lui. Presque. Une 50. Et puis, donc, il vient de nous faire. Putain, j'étais, je regardais pas. Donc, ouais, 50, 10, les 20, 5. Il a fait une clé comme moi. Il a fait une petite chambre du commerce. Ça, c'est toujours sympa. Un peu plus sympa que les récentes. Par contre, là, mais, il a fait une belle médaille en argent. Là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sans argent. De toute façon, là, vu comme elle est. Moderne. Ouais. Ça, c'est bien sympa. Bon, moderne, il dit. Moi, je dis, c'est pas forcément moderne. Moderne, hein. Bidas, enfin, moderne. Ouais, mais bidas, je sais pas. On va essayer de zoomer. Il y a peut-être une date. Une date de baptême. Je vois pas. Je vais pas zoomer. Ouais, bon. C'est difficile à voir. Enfin, bon. Cinq. La loupe, pour la loupe. Ouais, j'ai beau avoir la loupe. Ah, ça y est, alors 5e, 2. Merde. Je sais pas du tout. Bon, on verra si j'arrive à voir avec la vidéo. Pour une fois que j'arrive à faire la macro, on n'arrive même pas à lire. F. 2. Alors là, il y a peut-être un nom, enfin, en tout cas, c'est sympa. Ouais. Voilà, puis moi, de mon côté, c'est où? C'est par là, pour enlever dans le zoom. Donc, la petite roro de tout à l'heure, hein, il n'y a pas de doute, c'en est bien une. Bon, elle est râpée, hein, mais. Il reste. Je me demande s'il ne reste pas un visage, là, regarde-toi. Hein, ouais. Mais bon, c'est tout ce qu'on aura. Voilà, une petite romaine. Et puis donc une boursée de 4,50 centimes, une petite 10 centimes, une des petites clés que j'ai trouvées tout à l'heure, et puis la dernière, une 10 francs, 10 euros, c'est ça? Oui. Voilà, on va voir un peu, nettoyer, ça sera mieux. Non, pas Guiraud, ouais. Mathieu. Mathieu, pardon, ouais, Mathieu. Donc, là. Mathieu, voilà. 70. Mathieu, bon, j'en ai eu en main de celle-ci, hein, et on a joué au flipper ah, avec celle-là, mais je ne me rappelle pas quelle était. Voilà. Bon, bah, la journée se termine. Je vais aller me reposer un petit peu. Le coin est bien sympa. Il y a du vent, c'est sympa. Et bah, bientôt pour les prochaines aventures avec le Donum. Allez, à plus les gens.